Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des pops que j'ai reçus sur le mois de mars 2019. J'en ai 16 à vous présenter. Vous en avez déjà 6 ici. Celles que vous avez déjà vues. Les 3 premières sont issues du colis que j'ai reçu de la part de Big Apple Collectible, des exclusivités avec des boîtes endommagées. J'ai choisi d'en garder 3 sur les 10 que j'ai reçus. Tom et Jerry et Superman. Voilà, les autres sont partis à l'échange ou à la vente pour essayer de récupérer des pops qui m'intéressent un petit peu plus. La semaine dernière, j'ai ouvert le colis Pop in a Box pour le mois. Dedans, on avait deux pops de la WWE, Kurt Angle et le Sergent Slaughter, et Owen Grady de Jurassic World. Kurt Angle qui prendra sa retraite ce soir à WrestleMania lors de son dernier match contre Baron Corbin. Donc voilà, donc ça c'est les pops que vous avez déjà vus. On va passer maintenant aux nouvelles pops pour ce mois-ci. Alors, on commence ces nouvelles pops comme souvent avec du Star Wars. Star Wars, 3 nouvelles pops issues du dernier set qui vient de sortir. C'est un set Le Retour du Jedi. Et on va commencer avec un nouveau Vador, la pop 288. Quand il se fait électrocuter par l'Empereur. Donc voici ce nouveau set, j'en ai donc pour l'instant la moitié. Avec cette première pop de Vador. Et de derrière. Voilà pour ça. On continue ensuite côté obscur avec la pop 289 Star Wars, l'Empereur Palpatine. Donc j'en avais déjà un qui était un Palpatine issu de l'épisode 3 où il n'avait pas la capuche mais il envoyait déjà les éclairs comme ça là. Donc voici donc cette pop de l'Empereur Palpatine. Et de derrière. Voilà. Et enfin, il va me rester la dernière pop pour Star Wars pour ce mois-ci, la pop 291. Lando Calrissian. Je crois que j'avais pas encore de pop de Lando. Donc ça c'est bien, un des personnages de mythique de Star Wars. Et de derrière. Voilà, donc ça c'est mes 3 nouvelles pop Star Wars pour ce mois-ci. Allez, on enchaîne avec le set suivant. Il s'agit du set Harry Potter pour ce mois-ci. 3 pop également. On va commencer avec la pop numéro 5, Harry Potter, Severus Snape, donc Rogue. Donc là, ça fait partie du premier set Harry Potter. On est sur les anciennes. Hop, et voici la pop. Et de derrière. Ensuite, on a la pop 34. George Weasley. Pour l'instant, je n'ai que celui-là. J'ai pas encore trouvé Fred. Il est dans un set assez sympa. Hein. Il est dans un set avec Bellatrix, Mauvais Folleuil, Dolores Ombrage, tout ça. C'est un set assez cool, ça. Et voici donc George Weasley. Et derrière. Et la dernière pop pour ce set Harry Potter. Alors, je fais attention parce qu'elle a tendance à ne pas tenir quasiment toute seule. Elle est un petit peu sur l'arrière à cause de sa coiffure.
C'est la numéro 50, Ginny Weasley. C'est une exclusivité, ça, mais je me rappelle plus laquelle. Je le mettrai en bas. Mais il me semble que c'est une exclusivité aux États-Unis. Voilà, donc en tenue pour aller jouer au Quidditch avec son balai. Et derrière, alors là il va avoir du mal à tenir. Hop. Voilà, donc ça ce sont mes trois nouvelles pop Harry Potter pour ce mois-ci. Allez, on continue ensuite avec ma pop du mois. C'est un pop en... Enfin, il y a deux pop dedans. Un duo pack God of War, exclusivité Best Buy. Que je suis content d'avoir pu trouver sur Pop Culture. J'ai joué à God of War sur ma chaîne, pour ma chaîne jeux vidéo. Et du coup, bah, quand j'ai vu ces pops-là, j'ai eu envie de me les acheter, ce duo pack. Avec Kratos et Atreus. Et du coup, si vous voulez voir, il y a le let's play complet, 30 épisodes, sur ma chaîne jeux vidéo. Le lien est sur la page d'accueil de la chaîne. Allez, première des deux pop, Kratos. Le héros qu'on incarne durant le jeu. Tout derrière. Et son fils, Atreus, qui est notre acolyte tout le long de l'aventure. Et de derrière également. Voilà, donc ça pour moi c'est mon duo pack, donc c'est ma pop, la pop du mois à mon avis. Allez, on va terminer du coup la journée avec le dernier set. J'ai reçu la première partie du set Scrubs. C'est une série que j'adore. Et du coup, bah, j'ai commandé les 4. Pour l'instant, j'en ai reçu que 2. Les autres devraient être là pour la vidéo du mois prochain. On va commencer par le numéro 738, Turk. Donc, c'est des pop télévision. Et vous avez tout le set. Donc, on a déjà... Turk et Elliot, et il restera JD et le Dr. Cock. Hop, voici donc la pop de Turk. Et de derrière. Et enfin, la deuxième pop, Elliot, la pop 740. Avec la pop. Et de derrière. Voilà, si vous ne connaissez pas Scrubs, je vous invite réellement à découvrir cette série qui est très très drôle. Et bien voilà, voici donc mes 16 pop pour ce mois-ci, avec mes préférés Kratos et Atreus, et aussi Tom et Jerry, c'est vrai que j'aime beaucoup, du coup. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et me dire dans les commentaires... laquelle de ces pop vous préférez. Je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain à 16h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Actuellement, je ne sais pas encore ce que ça va être. Ça va dépendre si j'ai reçu ou non mon colis de la Emerald City Comic Con. Il est en route, donc si je l'ai reçu avant, on le fera la semaine prochaine. Sinon, on fera un autre unboxing. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.